à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Keyos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de réponse à un défi. Un défi lancé par Shin Bubblegum Gaming, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Donc elle a lancé un petit défi donc sur de l'appel des légendes, sur 7 boosters appel des légendes. Donc celui-là déjà on l'avait ouvert, donc on va totalement l'enlever parce qu'on avait tapé les deux secrètes hein, quand même dedans, hein, je vous rappelle. Donc on va en choisir un de ces deux-là. On va pas chercher très longtemps. Allez, on va prendre celui-là de droite, même si je préfère la gauche, on va prendre celui-là de droite, donc on va prendre lui. Donc on va l'ouvrir. Dans le même temps, je tenais encore à vous remercier absolument tous parce que vous êtes sincèrement géniaux. Vous êtes géniaux. Voilà, vous êtes de super abonnés. Le calendrier des vidéos commence à se mettre en place. Donc on va bientôt retourner sur une vidéo tous les deux jours, je pense. Mais j'arrive pas à l'ouvrir hein, quand même. Hein. C'est fort. Hein. Mais il y a un petit trou quand même. Allez, allez, ça peut le faire. Le but, ce serait pas de l'esquinter non plus. Ah, j'aurais peut-être dû prendre les ciseaux. Bah écoutez, je prends les ciseaux, je vais couper ça au montage. Ah, j'arrive. Et voilà, on a pris les petits ciseaux. Alors, on va juste partir. Attendez, on va pas trop le taper non plus. Voilà, juste ici. Tac. Ah, mon petit Luigi. Alors, tac. J'aurais peut-être dû... Non, c'est bon, ça passe. Donc, le temps que je termine l'ouverture de ce display. Donc, en gros, voilà. Donc, c'est 7 boosters qu'il va falloir ouvrir. Sur les 7 boosters. Donc, une rare, c'est 1 point. Une holo, c'est 2 points. Et une légende, c'est 3 points. Donc, on ne compte pas les reverse ni rien du tout. Hein. Malheureusement, j'ai vraiment envie de dire malheureusement. Parce que du coup, 7 boosters, 9 points, ça risque d'être compliqué à battre. Parce que même en tapant une légende, derrière, ça peut faire égalité. Bah écoutez, on va pas perdre de temps. Tac, tac, tac. Non, parce qu'on va le refermer de toute façon après. Donc tac, je vais juste laisser ça. Non, moi je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc on va prendre 7 boosters. Nous, on va les prendre au pif. Alors attendez. Tac, tac. Donc là, ça fait 4. Tac, ça fait 5, ça fait 6. Et on prend celui-là, ça fait 7. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais mettre là parce que sinon, j'aurais, je pense, pas trop de place. Donc voilà, donc on va partir donc sur 7 boosters. J'en ai bien 7 en moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, nickel. Les Luigi, on les garde pour la fin. Deoxys en premier parce que j'aime pas des masses. Ensuite, on va faire du Groudon, du Kyog et du Luigi. Voilà, donc allez, on est parti. Alors, sincèrement, même si le défi est perdu, j'ai envie de dire, c'est pas grave tant que j'arrive à taper une holo qui pourrait partir à PCA. Ou une légende, ce serait top parce qu'en fait là. Pardon. Moi, ce que j'aimerais, c'est bien toutes les cartes des oiseaux, donc les Electors, les Articodins, les Ho-Ho, les Luigia, tout ça, les Sulfura. Et en fait, dans cette collection, il y a une Luigia que j'adore. Et même si c'est pas la légende. D'ailleurs, la légende a rejoint la collection et pas PCA, malheureusement. Donc, même si c'est pas la légende, moi, j'aurais envie de l'envoyer à PCA. Donc, bref, je sais même pas pourquoi je le dis, mais je le dis. J'ai pas fait le 1, 2, 3, 1 et 1, parce qu'en fait, si jamais il y a vraiment une grosse carte en tant que reverse, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, du coup, je vais éviter de la frotter avec une autre carte, donc bref. Donc, allez, on est parti. Donc, encouragement, hystérique, Pyroli, qui est trop, trop belle. Mais regardez-moi ça, sa petite pierre-feu, là. Tac, Macronium, Ramolos, Magmar, Smogo, Kainus, Goupix, vraiment aussi super joli. Tac, la reverse, bah ouais, déjà, Groudon en rare reverse. Ça aurait pu faire un point, mais non, ça le fait pas. Ah, c'est vraiment dommage. Et on termine avec un Mélodef holographique. Bon, eh ben direct, donc ça nous fait du 2 points. En plus, on ne l'avait pas, celle-là. Donc, c'est parfait. Alors, attendez, les protections, je les ai. Mais avec ma grande connerie, j'ai oublié d'ouvrir le petit paquet. Alors, attendez, je passe derrière. Tac. Voilà, c'est parti. Donc, la Mélodef, on la met sous protection. Non, comme ça, avec l'Ultra Pro derrière, vu qu'on ne l'avait pas. La Groudon, on va faire pareil. Bon, on ne va pas la compter, bien entendu, hein, on va pas la compter. Tac, donc on va juste la laisser là, voilà. Donc la Mélodelf, voilà, un booster, 2 points, nickel. Si on pouvait taper encore une holo, au moins, on sait qu'on ne perdrait pas, on serait peut-être à égalité.
Mais du coup, ce serait déjà ça de prix. Alors, 1, 2, 3, et on ne touche pas les autres parce qu'on n'a pas envie de les abîmer. Et on est parti. Énergie, obscurité, Aquali. Elle est vraiment jolie cette carte quand même. Il est space, mais elle est vraiment, vraiment jolie. Tac, Sévipère. Pardon, décidément, Fampi, Hérissandre, Rélicante, Caïminus, Magmar. Oh là 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 là! Mais pourquoi on compte pas ces cartes-là? Mais dites-moi pourquoi! Oh là là, mais sérieux, une énergie plante en reverse et on termine avec. Tac. Eh ben, un Léviator holographique. Alors, la Léviator, on l'a déjà. Bon, c'est pas spécialement non plus un Pokémon que. Enfin, une carte que j'ai envie d'avoir sous PCA. Donc, celle-là partira certainement à l'échange. Donc, tac. Donc, malheureusement, on peut pas la compter et c'est bien dommage qu'on puisse pas la compter. Parce que voilà, c'est une beauté parfaite. Donc tac, la petite Léviator, on la met sous protection aussi. Et deux boosters, donc deux holos, plus une énergie reverse. Eh ben Chine, tu peux t'accrocher, parce que sincèrement, je pense que ça peut le faire. Ah non, les défis, c'est ma came. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, tac, faut que je me mine, parce qu'en fait, je crois que j'ai pas beaucoup, beaucoup de batterie. Donc, archive des recherches, Magby, Sévipère, Germignon, Smogo, Pomme de Pique, Hérissandre, Feu Forêve, Pyroli en reverse, et on termine avec un Mélo en rare, que je mets sous protection. Voilà, tac, on fera le bilan à la fin, hop, de côté, et on continue. La batterie vient de perdre une petite barre. Ah, ça m'apprendra à pas la recharger. Donc non, j'allais donner comme si c'était un code, mais non, il n'y a pas de code. Pff, allez, on est reparti. Donc Sévipère, nouvelle théorie du prof Chêne, Copieuse, Hérissandre, Misdibule, Évoli, trop belle. Tac, Magikarp, celle-là aussi, elle est trop trop belle. Malos, Watt-Watt en reverse, et on termine avec Typhlosion en rare. Bon, en fait, non, faudrait taper encore une holographique, s'il vous plaît, histoire de s'assurer la victoire dans ce défi quand même. Donc allez, on continue. Ah, attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est, ça recommence. Tac, on va faire ça comme ça, tant pis. Je suis désolé. Tac. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Paf. On fait du 3 et on y retourne avec un petit Donphan. Enfin, petit, non, pas très petit. Macronium, Encouragement Hystérique, Rélicante, Taignon, Snubbull, Fampi, Feu Forêve, Capoeira, en rare reverse. Voilà, encore une fois. Hein, merci Chine de ne pas les comptabiliser. Et on termine avec un Ronflex en rare. Alors, attendez. Tac, il faut les protections à chaque fois parce que bon, c'est les rares. Donc voilà, même si on les a, on les met sous protection. Y compris donc la petite holo inversée. Tac, voilà. Et on enchaîne. Il ne nous en reste plus que deux. Si on n'a pas une holo, ça fera match nul et j'aime pas trop ça. Non, 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 on va gagner. Je vous dis qu'on va gagner. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. On va gagner, je le sens bien. Donc, tac, tac. Et c'est parti. Alors, Riolu, Énergie Obscurité, Rookoops, Feu Forêve, Goupix, Taignon, Ramolos, Magikarp, Monde Perdu en reverse, et on termine avec un boule de nœud. Bon, j'ai peur en fait de l'égalité maintenant avec ces conneries. Ouais, j'ai peur. Il faudrait une holographique dans le dernier booster pour s'assurer la victoire, sinon ça fera égalité. Donc 9 points partout. Voilà, bon, c'est juste un défi pour le fun, hein, mais quand même, quoi, ce serait bien qu'on puisse le gagner. Bon, celui-là il est parti, c'est pas grave. Un peu comme avec Smart Boy, voilà, là c'était folklore, c'était top, c'était vraiment bon. D'ailleurs, Smart Boy, hein, si jamais tu regardes quand tu veux un nouveau défi, là, quand tu veux la deuxième mi-temps. Allez, tac, 1, 2, 3, on met ça devant et on est reparti. Énergie métal, archive des recherches, Rookoops, Misdibule, Kikli, Fampi, Hérissandre, Rélicante, Sac de nœuds en reverse et on termine avec une holo. Pitié, une holo. Eh ben, c'est pas une holo, avec un alligator. Bon, eh ben, écoutez, ben voilà, on aura fait nos 7 boosters. Ça avait commencé plutôt pas mal, hein, mais bon, donc là, on va regarder. Donc, ça fait un point. Ça fait un point, donc ça fait 2. Celle-ci ne compte pas, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis là. Donc là, ça fait 3, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 7 et ça fait 9. Bon, bah ça fait 9 points. Ah, je suis vraiment dégoûté qu'on compte pas les énergies. Enfin, même là, je pense que c'était pareil du coup, parce qu'il me semblait qu'elle avait eu une énergie aussi. Mais voilà, on peut être content quand même. Celle-ci, par contre, j'enverrai peut-être à PCA. Ouais, je l'enverrai peut-être à PCA. À voir.
À voir, à voir, à voir. Donc on va tout de suite faire comme ça, parce que j'ai pas envie non plus qu'elle prenne la luminosité. Paf! Voilà. Donc, Chine, écoute, je sais pas en fait si t'as eu de la chance ou si moi j'ai pas eu de chance. Je sais pas. Bon, en tout cas, bah voilà. Donc, deux holographiques, une superbe énergie reverse quand même. Moi j'en suis super content. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, si jamais tu veux un autre défi, tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas, mais je te garantis que le prochain défi, il n'y aura pas de match nul. Ah non, ça, il n'y en aura pas, je te le garantis. Bon bah écoutez, bah voilà, bah la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça nous ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à. Alors attendez, normalement demain c'est de la réception. Donc c'est une grosse réception. Ce sera pas du PCA, hein, c'est des colis. Du coup, ensuite le jeudi il y aura les multi-ouvertures. Parce que ça vous avait bien plu, donc là il n'y a pas de souci, on va continuer. Le samedi, le choix des abonnés va se transformer en on vous fait plaisir. Donc en gros, on vous donnera parfois des cartes, des boosters, des petits lots de cartes rares. Enfin, vous verrez déjà samedi. Samedi, ce sera la première. Donc le dimanche, comme dit, c'est Brocante Display. Donc après, voilà, le calendrier va un peu s'étoffer. Du coup, ça va un peu ralentir au rythme des, enfin, sur le rythme des vidéos. Mais pour le moment, on reste encore à une par jour. Et puis on verra comment ça va finir. Voilà. Donc je vous mettrai quelques petits liens un peu partout là, voilà. Donc tac. Et puis moi, ben, je vous dis à très vite, à savoir à demain. Surtout profitez à fond de votre passion. Je vous dis bye bye. Je vous dis portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.